tu l'as vu quand j'en dis elle est trop plate. Et apparemment elle est grave belle. Elle est trop belle. Elle est gentille aussi, ils ont dit. Ouais, ils ont dit. Hein. Ouais, mais ça va être bien hein, pour une fois. Ouais. J'espère que c'est pas du fail. C'est trop bien si elle est une nouvelle remplaçante. Ouais. Et qu'elle est gentille. Ouais. J'ai hâte de la voir. Bon, pour l'instant, c'est lente. En vrai, la prof, elle est hors terrain. Ouais, bah, c'est parce qu'elle est gentille, elle est belle. Tu vois, elle prend son temps, elle se fait belle, elle se prépare. Ouais. Se dire, nous, on peut être en retard, elle s'en fout. Mmh. Ah, bah, je vais rentrer chez moi alors. Hein. Allez, demain, si elle est encore là, moi, je viens à 11h. Bonjour à tous. Je suis la remplaçante. Je me présente, Madame Christelle Bernadine. Je suis la remplaçante de votre classe pour un mois. Non, vous vous êtes trompée. Non, je crois que vous êtes trompée de classe. C'est pas cette classe. Oui, c'est pas cette Nous, classe. Nous, on est les 3A. Oui, et bien, il y a marqué sur mon. Il est où mon calepin, dis donc. Attendez. Mon calepin. Mais. Il est là, mon calepin. Mais vous êtes bien la 3e A. C'est ça? Oui. Voilà, et bien, c'est marqué juste ici, tu vois. Voilà. Bon. Mais prof, vous êtes en retard. Parce que c'est la première fois que je viens. Je suis désolée. Je ne connais pas du tout ce collège. Je me suis perdue dans les classes. On m'a renvoyée un peu partout. Mais ce n'est pas le sujet de notre discussion. D'accord. Bon. Tout de suite, on va faire un contrôle. Quoi? Oui. Attendez, j'ai une question. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une personne, elle s'appelle Lucie, et elle a dit qu'il y avait une belle personne et une jeune personne. Mais pourquoi Et pourquoi quoi? Mais pourquoi il n'y a pas de belle fille et de jeune fille? Comment ça? Moi, je suis pas belle. Non, attendez, attendez, vous êtes pas belle, vous êtes très très belle. Ah. En fait... mais vous pensez que vous avez l'Alzheimer parce que je pense vraiment que c'est une personne belle qui vient. Non, non, moi, la Lucie dont vous parlez, elle a eu un accident. Elle s'est cassée les jambes. Et oui. Les quoi, les jambes? Oui, les deux jambes. Ah, bah pourquoi vous dites jambes? Non. Donc elle a eu un accident, elle est à l'hôpital là. Waouh. Elle va peut-être décéder. Hein, voilà, donc on sait pas. Tant pis pour elle, hein. Elle va bien faire attention. Qu'est-ce que c'est que cette... De toute façon, elle était trop chiante, cette fille-là. Hop. Ça se colle, quoi. Oh, c'est bien. Pour une fois que le matériel marche. Bien évidemment que je rigolais, je plaisantais tout à l'heure, du verbe plaisanterie. Il n'y aura pas de contrôle aujourd'hui, mais ce sera demain sur ce qu'on va faire aujourd'hui. D'accord? À chaque fois que je vous dis d'accord, vous répétez le d'accord. D'accord. Bon. D'accord. D'accord. C'est quoi la date d'aujourd'hui? Dépêchez-vous, dites-moi. 17 mars 2001. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? En plus, j'allais l'écrire. Moi, je sais. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Vas-y, dis-le, parce que toi, tu me saoules. C'est vendredi 3 2021. Non, on est le... 2022. Mais vous êtes... Vous voulez savoir? Mais chut! Oh, on est le lundi... Qui c'est qui crie ici? Il y a que moi qui crie. On est le lundi 5 juin 2022. Non, 6, pardon, lundi 6. Voilà. Vous écrivez comme les gens, les jeunes. Les docteurs, là. C'est quoi cette écriture? Je vois rien. Bon, vous allez m'énerver. Vous voulez que j'écrive bien? Vous ne pas le tableau. Hein. Oui, écrivez bien. Vous voulez que j'écrive bien? Regardez comment je vais écrire comme les années 82. Vous écrivez de travers un peu. Non, j'ai la flemme donc. Voilà, comme ça vous allez peut-être me saouler. Parfait, madame. Comment tu t'appelles toi, la binocle? Devinez. Comment? Devinez. Mais tu crois quoi, quoi? Et tu crois qu'on est où là? Mais. On est chez ta mère? Devinez! Mais. Je ne peux pas deviner. Mais devinez. Mais j'en sais rien, mais, Julie. Mais vous comprenez rien. Toi, t'as une tête de lune. Vous m'avez dit, vous vous appelez comment? Bah, devinez. Eh mais devinez, j'en sais rien. Ta mère, elle t'a appelé comment? Devinez, elle m'a appelé devinez. En fait, elle s'appelle devinez. C'est pas devinez-vous.
Bah oui. Vous dois... C'est je m'appelle vous, devine. Vous me prenez pour une teubée là. Je vous jure, regardez sur mon carnet de. Enfin, sur mon évaluation. Devinez. Devinez. AY à la fin. C'est quoi ces parents nuls? Il y a 14 milliards de prénoms et ils t'ont appelé deviner. Non, mais ils t'aiment pas. Je te le dis qu'ils t'aiment pas. Tu peux aller mourir qu'ils t'aiment pas. Voilà. Bah, je crois que vos parents. Mais pourquoi vous écrivez mon prénom? Parce que. C'est un AY à la fin. Non, ça c'est pas deviner. Ça c'est deviner. Moi c'est deviner. Wow. Deviner. Deviner. Oui. Donc, oui, pourquoi vous écrivez mon prénom? Parce que je vais. Dès qu'il y en a une qui ouvre sa bouche. Mais depuis tout à l'heure, c'est elle. Je l'écris là. Bon, tu t'appelles comment toi? Alors toi, depuis tout à l'heure, tu ouvres ta bouche pour rien. Et là, quand je te pose une question, tu la fermes? Oui, mais je te posais la question, tu vas me répondre. Non, je t'ai posé une question, donc tu réponds vite. Tu peux parler plus fort? J'entends rien, Dolores. J'ai une oreille qui est sourde. Je m'appelle Dolores. Tu t'appelles quoi? Dolores. Rose. Comme vous voulez. Ouais, mais c'est quoi cette classe de teubé? Tu rigoles quoi? Dolores. Dolores. Comme quoi? Comme de l'eau? Comme oui. D'eau. L'eau. Non, comme Dolores. D'eau. L'eau. L'eau. L'eau, la mer. Rice. Dolores. D'accord. Dolores. Do. Oh là là, c'est quoi ces prénoms nuls? Toi aussi tes parents t'aiment pas, c'est sûr. Et vous, vous appelez comment, madame? Moi je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Christine. Oui. Christelle. Ah oh, bah voilà, vos grands-parents, vos parents, tout le monde vous aime pas, alors. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh mon dieu, c'est nul. Dolores, voilà. Non, c'est pas comme ça. Mais qui t'a dit que tu vas t'asseoir? Je suis en train de m'écrire. Non, mais ça va pas ou quoi? Mais madame, je peux écrire ce. C'est pas madame. Madame Christelle. Christelle. Mais alors, votre nom de famille, c'est quoi? Professeur Christelle. Bernadine, je vous l'ai dit. Ah oui, Bernadine. Non, mais attendez, on n'est pas ici pour parler de nos poules et de nos cochons. On n'a pas élevé les cochons ensemble. D'accord? Comme ça, Dolores, je vais vous le montrer. Bon, elle piaille dans mon oreille. Piaille. Elle fait que de piailler. T'es sûre que t'appelles pas piailleuse? Non, désolée, je suis pas pied. Voilà, elle piaille. Elle piaille pour rien. Tu te tais? Bon, on va commencer le cours. Le cours du jour. Du jour. Hop. On met un petit bâton. Un petit bâton pour la piailleuse. Voilà. Au bout de 5 bâtons, t'as une claque dans ta tronche. Et voilà. Vous avez un beau prénom pour une fois. Deux. Ouais. Encore un, toi. Bon, du coup le cours du jour, qu'est-ce que sur quoi vous voulez travailler vous? Sur. Je t'ai demandé la parole. Voilà. Mais vous me faites rire. Tant mieux que je rigole. Toi t'as une claque. Bon, la claque c'est bon. Hop, on va commencer le cours. On va travailler sur le. Flémarde. Attends, tu vas t'en prendre une autre. Sur le théorème de. Non, mais pas les maths, vous êtes pas prof de maths. Oui, c'est vrai. Bon, on va travailler sur les verbes. Les gens de la fontaine. Non, on va travailler sur les verbes. Mais c'est nul, c'est trop facile. Mettez-lui en note. Voilà, c'est bon, tu saoules. Les verbes. Est-ce que vous connaissez. Premier groupe ER à la fin. Très bien. Est-ce que vous connaissez le COD? Non, je connais pas. Complément d'objet direct. J'ai rien bien. Compris. Très bien, très bien. Je sais pas ce que c'est. Moi non plus. Moi, je sais. Dites-moi. Mais je vais pas vous l'expliquer aujourd'hui. Ça sera pour un lecture. Les verbes, c'est pas COD. Oui, les verbes, c'est en ER. Après, ça peut se terminer en quoi, les verbes? S-S-O-N, un truc comme ça. Dormi, O-N-S, je crois. Un truc. Dormir, I-R. Et les autres, bah, c'est tout le reste sauf aller. D'accord. Il y a les verbes irréguliers. C'est quoi ces verbes irréguliers? Aller. Oui, très bien. Il y a les verbes en ER, en IR et en. Bah, le reste. Mamie. Le reste.
Voilà. Maintenant, c'est toi qui vous fais rire. Mais je rigole pas. T'es vieille. C'est bon, je rigole. 3. Et qu'est-ce que ça va faire en fait? 4. Je dis juste qu'est-ce que ça va faire. Mais il claque dans la tronche. Sympa. Voilà. Mais c'est vous qui me faites rire, c'est pas elle, c'est tant 3. Mieux. 3, vas-y. Continue. Continue que je t'en mette une. Mais c'est à elle qu'il faut en mettre. Bah oui, bah elle, dernière chance et toi deux chances encore. Oui, deux chances. Il y en a 4 ici, il n'y en a pas 5. Mais elle est débile, elle a aidé. C'est que le 3, le 5ème, c'est là. Le 5ème, c'est celui-là. Donc tu t'es. Qu'est-ce qu'elle a celle-là? Bon, elle est 5. Oula! Je vais pas attendre que tu fasses tout mon tableau, hein. Mais je passe pas ton tableau, je juste garde la place, espèce de retourné. Mais parce que tu n'écris pas bien mon prénom. Mais là, mais je peux. Mais arrête. Mais juste ça. Mais tu te prends pour qui? Pour la reine d'Angleterre. Tu te prends pour qui? Non mais attends, écris-le vite. Écris-le, t'as intérêt à bien l'écrire, sinon je t'en mets une 2, comme ça. Trop moche, trop moche. Dégueulasse. C'est comme ça qu'on écrit. Voilà ce que je fais à ce tableau. Si tu continues, tu vas rester accroché comme ça toute ta vie. Tu vas grandir comme ça. Toi aussi tu rigoles? Mais ça me fait rire. Moi mais je rigole. C'est pas drôle. Hop. Donc toi ta punition c'était fait. Toi aussi. C'est bon? Tu peux partir? Qui... On fait plus de bêtises. Vous êtes sûr? D'accord, alors vous pouvez partir. Mais la prochaine fois, c'est ce que je vais faire. Oh, elle m'a dit de vous mettre une claque. Hein? Oui. J'ai fait lui un bisou. Non, pourquoi tu... Ah, s'il te plaît, je fais pas de bêtises. Déjà, tu me tutoies pas. Sinon, je te coupe le nez. C'est trop dangereux. Oui, bah je te coupe le nez sinon. Allez, je te coupe un peu de cheveux la langue. S'il te plaît. Tu me tutoies pas, j'ai dit. S'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît. Tu t'excuses. Merci. Voilà, exactement. C'est bon. Mais elle fait ça. Elle est complètement débile, elle. Je vais vous demander des questions. Dites-moi. Oui. Comment s'appelle votre mère? Marine. Et Marina. Mais comment ça... Mais genre, ta mère s'appelle comme moi, regardez. Mais elle a dit Marina. C'est la même chose. Ensuite. Votre père? Bonjour. Benoît. Mais tu vois, ça te fait rire. Mais j'ai oublié son prénom. Benoît. Benoît. Et toi? Benoît. Mais non, c'est elle qui s'appelle Benoît. Bah, non, c'est pas moi, c'est mon... Vos voisins, ils habitent où? À côté de notre maison. À côté de ma ville. Enfin, dans ma ville. C'est quoi votre adresse? À côté de l'adresse de ma maison de mes voisins. Ouais. Et vous? Ben, moi, j'habite à Créteil. Créteil. Mais oui. Vous habitez où? Vous, ça se voit, vous habitez dans... Au Champs-Élysées de Paris. Oui, bien sûr. Moi, j'habite dans le 16e, personnellement. Oui, personnellement, d'accord. Et vous habitez dans les égouts? Bon. C'est moi qui écris, madame. Qui lit, madame. Tu te tais? Je te vais demander. Bon, on va à la page... On va à la page... Mais, regardez ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est debout, de toute façon. Madame, s'il vous plaît. Attendez, chut, je vous ai rien demandé, donc vous vous taisez. Qui c'est qui veut lire? Moi, madame, s'il vous plaît. D'accord. Je vais vous poser une question, celle qui a la bonne réponse, il va lire. Quel âge a ma mère? Elle est morte. Non, il faut lever la main. Oui. Elle est morte. Non, pourquoi tu dis que ma mère, elle est morte? C'est ta mère qui est morte. Désolée. Débile. S'il vous plaît, je peux dire. Non, à toi. 82 ans. Non. C'est ce que je voulais dire. 91 ans. Non. 161 ans. Non. 120 ans. Non. 131 ans. Non. 140 ans. Bon, je vais vous dire parce que vous êtes nuls. Je l'ai jamais connue, ma mère. Désolée. Donc, je savais pas. Je sais pas quel âge elle a. Donc, la réponse était je sais pas. Quand vous savez pas quelque chose, vous dites je sais pas. Vous essayez pas de trouver une réponse. En 1979, à la suite d'une révolution.
République islamusique. Islamique. Islamique. Musique. La terreur qui s'ensuit. Censure. Privation. T'as des lunettes normalement? Oui. Parce que la feuille comme ça. on est mal barré, hein. Bon, allez, continue. Fini. C'est fini? Oui. Non. Elle ment. Non. Elle a tiré, moi. Donc, l'évasion du pays par. Et la, l'accident. La, l'Occident, pardon. S'intensifie, elle se menace par exemple par l'interdiction de la musique officielle tantale. Non, mais ça c'était super intéressant ce texte. Il fallait bien le lire. Donc elle peut le relire. Repère. En 1979, à la suite d'une révolution, l'Iran devient une république islamique. La terreur qui s'ensuit, censure, privation des libertés individuelles, torture, peine capitale, sera dénoncée par la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Après l'invasion du pays par l'Irak, en 1980, l'Iran connaît une guerre de 10 ans. Parallèlement, son hostilité aux États-Unis et à l'Occident s'intensifie. Elle se manifeste, par l'exemple, par l'interdiction de la musique occidentale. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous avez compris de ce texte? Alors, moi, dites-moi. Que on n'avait pas le droit de faire de la musique en dans l'Iran. Très bien. La musique occidentale est interdite. Oui. Une iranienne ici, Marjane Satrapi, née en 1969, il y a son histoire. Dites-moi. Madame, lire. Je suis iranienne. Oh. Mais alors, qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est un honneur. Elle subit dans son enfance la restriction des libertés individuelles liées à la révolution islamique et à la guerre Iran-Irak. Elle étudie au lycée français de Téhéran, puis, à 14 ans, est envoyée par ses parents en Autriche, loin de la guerre et du régime iranien. Il y avait un lycée français à Téhéran. C'est bien. Elle revient en Iran pour étudier, puis, par opposition au régime, elle rejoint la France où elle termine ses études et réside encore actuellement. On peut l'applaudir. C'était très votre mère. Voilà ma note. Non, ça c'est pas elle. Venez, on cherche votre mère. Si, c'est ça. C'était super intéressant ce texte. Bon, devinez. Oui. Toi, tu as pas bien lu, donc tu vas venir. Pardon. Allez, tu vas venir ici. Allez-y, lisez mieux que moi. Ce n'est pas ton chien. Normalement, on lit comme ça. Regardez, par exemple, ce texte-là. Le meilleur des mondes. Il faut bien aller tout. Comme vous. Dans l'univers de ce roman de science-fiction, les enfants. Mais c'est une dictée, ça, ce des bébés éprouvés. Sont conditionnés à se réjouir du sort réservé à la classe sociale pour laquelle ils sont programmés. Deux points. Depuis les alphas, la classe supérieure, jusqu'aux epsilon, le bas de l'échelle sociale. Bernard et Lélina sont des alphas, mais Bernard passe pour un original. D'ailleurs, Bernard, ce Bernard-là, j'ai eu une histoire d'amour avec. Non, c'est une histoire d'amour, je t'ai dit. Voilà ce comment il fallait lire. Donc tu viens. Allez hop. Moi j'ai bien écrit comme ça. Comme fatiguée. Oui, t'as rien fait de ta journée. Si, ce matin j'ai fait. Quand vous... Madame, quand vous n'étiez pas là, elle était sur son téléphone. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Ouais, ça sonne dans 5 minutes là, je vais vous en mettre une. Oh, vous venez ici. Vous avez les pieds de Maëva Guénard. Vous venez ici, tu te mets sur la table là. Ah. Oula, elle a cassé la table. Moi aussi j'ai pas bien lu. Non mais regardez comment elle saoule. D'accord, oui mais toi tu vas voir ce que je vais vous faire. Là, vous allez garder votre tête comme ça, pas bouger, hop, hop, très bien. Hop, 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 très bien, hop, 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 hop. Et on recommence de l'autre côté. Et plus vite. Et plus vite. Excellent. Allez-y, frappez-moi. Excellent. C'est ça qu'il fallait faire. Bravo, vous avez réussi ce test. Bon. Je vais vous demander... C'est vous qui pétez ou c'est le... C'est le radiateur qui lâche des grosses caisses. Je vais vous demander de mimer un truc. Non, 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 c'est pas ça. Calmez-vous. C'est la catastrophe. Vous faites... Toi, tu fais le chat. Non, avec un bruit, là, vite. Pourquoi c'est pas moi?
te tais. Toi, fais le chat qui est énervé. Ok, stop. Celle qui fait le la meilleure, le mouton, gagne. Donc vas-y, Eva commence. Devinez, commence. Bah, attends. Bah, 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 attends. Mais calme-toi. T'inquiète pas. Oh non, vas-y. Claire, regarde-moi maintenant. Ah, elle m'a craché dessus. Elle m'a craché dessus là. J'ai du mal à faire ça. Non, non, regardez-moi, regardez-moi. Voilà, comment on fait. Maintenant, le dernier. Oula, il est malade, hein. Il est malade, ça va. Non, mais elle est emprisonnée quelque part ou quoi? Elle pleure, là. Non, nul. Ça va, vache. Alors là, c'est le cliché. D'accord. Pas du tout. Nul. Bon, maintenant regardez-moi. C'est une moto ça. Et non. Oh, les poules. Bon allez. En fait, depuis tout à l'heure, je vous prenais pour des teubés. Donc maintenant, vous dégagez. Je ne suis pas du tout la remplaçante. Hein. C'est bien Lucie la remplaçante, ça va arriver demain. Je suis la femme de ménage, quoi. Mais voilà. Ménage, donc maintenant, non, vous, elle est dégueulasse. Attendez, madame. Au revoir. Allez, ciao, bye.